Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Si se kon sa, mwen pou al kouvri achete yon bib. Degaje ou manche. Men, an atandan, ou katan de radio televizyon d'espoir? Radio vizyon d'espoir? Oh, mwen te tande yon anons kon sa, oui. Men ki sa se a te di? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Josué, chapitre 13. Partage du pays de Canaan. Partage du pays à l'orient du Jourdain. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guershuriens. Depuis le Chic-Chor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière des Kwon au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Mehara, qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Gilbliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gal, au pied de la montagne d'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban, jusqu'à Mereth-Photh-Maïm, tous les Sidoniens. Je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus de la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites avaient l'autre moitié de la tribu de Manassé. Ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroer, sur les bords du torrent, de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba, jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, Galahad, le territoire des Guershuriens et des Maacathiens, toute la montagne d'Hermon, et tout Bazan, jusqu'à Salka, tout le royaume d'Og en Bazan qui régnait à Ashtaroth et à Edrei et qui était le seul reste des Réphraïm. Moïse bâtit ses rois
et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guershuriens et les Maacathiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir d'Aroer, sur les bords du torrent d'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba. Esbon et toutes ses villes de la plaine d'Ibon, Bamoth, Baal, Beth Baal Meon, Jahatz, Kedemoth, Mephaath, Kerjataim, Sibma, Sereth, Ashashar, sur la montagne de la vallée, Beth Peor, les coteaux du Pisga, Beth Jeshimoth, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sihon, roi des Amoréens, qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rékem, Shur, Ur et Reba, princes qui relevaient de Sihon et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée de devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jéhézer, toutes les villes de Galaad, la moitié du pays des enfants d'Amnon, jusqu'à Aroer, vis-à-vis de Rabba. Depuis Esbon jusqu'à Ramath, Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et dans la vallée Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkoth, Saphon, reste du royaume de Sihon, roi de Esbon, ayant le Jourdain pour limite, jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinnéreth, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu du Manassé, de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent leur territoire à partir de Mahanaïm, toute Bazan, tout le royaume d'Og, roi de Bazan, et tous les bourgs de Jaïr en Bazan, 60 villes. La moitié de Galaad, Ashtaroth et Edrei, ville du royaume d'Og en Bazan, et Shur au fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Ésaïe chapitre 30. Contre l'alliance avec l'Égypte. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes,
sont absorbants et ses envoyés ont atteint Hanès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écoulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. « Hors d'ici, leur diras-tu. » Temps messianique. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans le vaste pâturage. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur
toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Chute des Assyriens. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou, pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme de feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge à chaque coup de la verge qui lui est destinée. Et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond. Il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Amen. Corinthiens, chapitre 12. Sur les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps,
Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons tous d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Corinthiens, chapitre 13. La charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point
de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.